pas être en retard, faut pas être largué parce qu'après bon tu reviens plus. Moi-même ça m'arrive de galérer pour retrouver Joe une journée, tu vois ce que je veux dire. On en répète pour la tournée de Joe. Qui n'est pas là? Indépendant, quoi qu'il arrive, y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, pour le bio, quoi qu'il arrive, t'inquiète, on est là pour foutre ça, sans dessus. Bon, Dilek. Boum! Joey Star, bébé. Ouais. Vas-y, je leur mets 10 minutes, là, vite fait. Là. On y va? Bah, je suis très content. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que tu vois, on a pris le temps pour le faire cet album et que je suis content de ce que j'ai fait. Parce que déjà avant tout, j'ai toujours fonctionné par biais de cette démarche. Et avant tout, c'est de me contenter moi et de me faire plaisir moi. Et moi j'ai fini, je suis content. On verra ce que ça dit après quand on va le jeter dans la fosse, t'as vu. Mais non, j'en suis très content quoi. Il y a Dadou qui a réalisé les produits, il y a James qui a fait une track, il y a Street Fabulous, il y a King Fu, et puis Dadou et moi qui avons fait le reste. Puis je trouve que Dadou pour moi c'est un artiste hip-hop à part entière. Je dis ça dans le sens où quand on est en studio, pour moi il a une certaine acuité du truc. On s'est vite retrouvé à faire du Joey Star parce qu'il n'a pas cherché à me faire autre chose que ce que j'avais envie de faire. Ben là, il arrive avec un album fat. Moi-même, tu vois la couleur de son album. J'ai été surpris parce qu'il a fait. L'interprétation, tu peux rien faire. Moi, je fais de la musique pour faire de la musique, très sincèrement, quoi. Si j'ai besoin de gagner de la thune, tu vois, à côté, je fais du textile, des choses comme ça, t'as vu? Tu comprends ce que je veux dire? Là, je fais vraiment ça pour me faire plaisir. Donc, je me pressionne moi-même quand même, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai le doute vertigineux, et ainsi de suite, et que je doute encore toujours, même si j'ai l'air à l'aise. Hein, tu sais, ça fait plus de 16 ans que je fais des interviews, donc ça, c'est pas ça qui va m'impressionner le plus. Mes vraies appréhensions, c'est de remplir les salles, c'est que ce soit péchu, voilà quoi. Moi, pour moi, j'ai fait de la continuité NTM, hein. Je le dis très franchement, j'ai vraiment fait un album pour monter sur scène. Fix, à mes regards, tu te lises. Fix, tous les noms sur la liste de ceux qui sont tombés avant la 20e année. Déteste les studios. La scène, c'est le seul truc qui faisait qu'il aille enregistrer. Ouais, mais de toute façon, je n'irais pas en studio s'il n'y avait pas une tournée derrière. Je dis tout de suite, ça ne m'intéresserait pas, quoi. Si c'est juste faire un disque pour faire un disque, c'est pas comme ça que... C'est pas ça mon approche de la musique, quoi. Parce que déjà, tu vois, moi, je suis un mec à la bougeotte, donc à la base, passer des journées en studio, ça me gave, en vrai. Quand t'es là, qu'on fait de la création, quand d'un seul coup il arrive que tiens, on a eu l'idée de faire ça et que ça marche, c'est des instants mortels, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais franchement, ça vaut pas les répètes, le concert, enfin toute l'adrénaline de ce truc-là. La dernière tournée, c'était en 98, donc imagine jouer toute l'énergie qu'il a dépensée sur scène. Sur scène, le mec il envoie des chevaux. Hein. On va révolutionner la scène hip-hop français là, ça c'est. Je conseille pas d'essayer. Bah moi, pour moi, Cool Chain, il a fait un virage, quoi. T'as vu, moi, je continue avec ce que j'ai toujours fait et donc que je sais, je crois savoir faire. Je suis pas allé chercher ailleurs, t'as vu. Ah,
lui, c'était faire un album pour faire la même chose que font les autres, alors que t'as déjà un cursus derrière. Après, c'est de la musique, ça se raconte pas, ça se parle, tu vois ce que je veux dire. Donc je peux dire, je peux crier que ce sera différent. Cookchain, c'est Cookchain, Joystar, c'est Joystar, donc forcément, ça aura pas la même patte, quoi. Ben moi, l'album de Joystar, je l'attends avec impatience, hein, comme tout fan de rap ou de hip-hop, tu vois. Je l'ai suivi depuis le début, donc j'attends de voir, j'attends d'écouter, j'attends de prendre ma claque, d'être surpris. Donc voilà. Après, je peux pas trop te dire de trucs, je connais un peu le personnage. Je pense qu'il va nous emmener dans des terrains bien à lui. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est le duo de notre notoriété. Il ne fallait pas qu'il nous acclame même. Allez. Exactement. Le jeu star d'hier, il avait 20 ans, celui d'aujourd'hui, il a arboré la quarantaine, t'as vu. Donc, et puis bon, c'est quoi, je vais pas. Il y a un truc que je crois que je peux pas me permettre de faire, c'est d'arriver et parler comme un loulou qui a 18 ans, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ouais, tu grandis, je crois que ça s'appelle comme ça, grandir en fait. C'est ça. Grandir. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, c'est pas vouloir polir les angles, c'est grandir, je crois que ça s'appelle. Ouais. C'est en me disant, j'ai jamais demandé à t'avoir. C'est avec ces formules trop saoulées, enfin faut croire que mon père a contribué à me lier avec la. Ça se place dans la continuité de ce que j'ai toujours fait d'après moi, c'est-à-dire faire ce que j'ai. Je t'avoue qu'au début j'étais réticent par rapport à l'exercice parce que c'est quand même un truc que je me suis toujours refusé de faire que de raconter ma vie. Le problème c'est que ça a toujours été après relayé par des médias qui s'intéressaient plus à ce que aux déboires qui peuvent m'arriver à côté avoir envie de s'intéresser à ce que je fais aussi à côté pour peut-être un peu aussi comprendre certaines choses. Hein, on n'est pas mauvais garçon. Chez le boulanger, chez le boucher, dans la maternelle, patati patata, il y a toujours quelqu'un qui connaît Joey. À partir du moment où ils le connaissent, ils ont une image de lui. Et l'image de lui, ce que je voulais à un moment donné, c'est que ce soit lui qui l'ait donné. C'est un mec super cool, super bien, droit. Il sait t'engueuler quand il faut t'engueuler, il sait être relou quand il faut être relou, pas tout le temps. Il sait être même relou quand il faut pas être relou, mais bon, ça c'est lui. Mais bon, voilà quoi, c'est mon gars, il n'y a rien, il me soutient depuis le début. Mais tu sais, moi je suis un garçon ni oui ni non, hein. Ça veut dire que d'un côté je me dis que c'est la merde et on n'est pas prêt d'en sortir, et puis de l'autre côté j'ai envie de faire des choses pour que, parce qu'on se doit de les faire aussi, quoi, tu vois. Il y en a d'autres qui arriveront derrière, qui seront peut-être motivés, et puis plus on sera, mieux ce sera, quoi, tu vois. Quand il y a des trucs, des essais qui sont encore des petites choses, comme ce qu'a fait Joey là avec Besançon au devoir de mémoire, ça leur fait quand même ultra peur, quoi. Lorsque les gens commencent à se rassembler, il y a toujours une force, et ça devient compliqué pour ceux qui veulent interdire. Je pense à moi avoir une certaine légitimité pour pouvoir le faire déjà au travers de ce que j'ai toujours fait, parce qu'on l'a toujours fait justement. L'histoire d'aller s'inscrire sur les listes, peut-être qu'on ne sait pas pour qui voter prochainement, mais si quelque part ça peut créer un déclic chez les plus jeunes et voir un automatisme d'aller s'inscrire sur les listes et de s'impliquer un peu plus dans la vie citoyenne, merde, on a gagné quelque chose. Si tu emmènes des millions de personnes à taper le poing de la même façon sur la table, il y a des gens qui vont vous écouter. Et ils sont en train de comprendre que les mecs non seulement réfléchissent, mais sont capables d'être plus intelligents qu'eux et d'aller plus loin qu'eux. Donc le résultat, c'est que ça fait encore plus peur. Je sais pas, il y a une conscientisation, il y a une envie de comprendre, y a une... et puis que c'est légitime tout court, quoi, voilà, quoi. Attention les gars. Mais ce qu'il faut savoir, je pense, c'est que d'autres et moi, on est peut-être plus dans les quartiers, mais notre pouls à nous, il est encore là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sans la rue, moi, j'existe pas à la base. Tu vois ce que je veux dire? Street Club Magazine, Joey Star, Basmadio. Voilà. Ok les gars, faites pas les cons.